Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 20 août, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'info. Séquestré durant deux jours, brûlé aux mains par des cigarettes et un chalumeau, un jeune homme a été enlevé, puis torturé par des dealers. Les faits se sont passés dans les Yvelines le 15 août. Le jeune homme a interpellé une cliente sur le parking d'un supermarché à Clé-sous-Bois qui a immédiatement prévenu la police. Le jeune homme a raconté qu'il devait 15 000 euros au ravisseur et qu'il avait été forcé de monter dans une voiture avec une cagoule sur la tête, emmené dans un bois, menacé avec un pistolet, puis emmené dans une maison où il a été torturé. Incapable de rembourser ses dettes, il aurait été forcé à travailler sur un point de deal dans les Yvelines avant de réussir à s'échapper. La brigade de répression du banditisme de la police judiciaire est chargée de mener l'enquête. Triste nouvelle pour le théâtre des Blancs-Manteaux dans le 4e arrondissement de Paris. Après 52 ans de service, le rideau est tombé une dernière fois sur la scène emblématique qui a lancé de nombreux artistes. Jacques Higelin, Anne Roumanoff ou encore Fabrice Eboué, tous ont foulé les planches des Blancs-Manteaux. Dans l'incapacité de payer les loyers cet été, dû à une forte baisse de fréquentation, le propriétaire a dû malheureusement mettre la clé sous la porte. Bonne nouvelle pour les plus jeunes, vous allez pouvoir de nouveau vous amuser au Kids Summer Park de Bruyères-sur-Oise. Le parc avait été fermé sur ordre du préfet du Val-d'Oise après un contrôle de la Direction départementale de la protection des populations du Val-d'Oise. En cause, plusieurs manquements aux règles de sécurité, notamment des points d'ancrage des structures non fixes ou non lestées, des prises électriques et systèmes de soufflerie accessibles pouvant engendrer un risque de choc électrique ou encore une absence de tapis de sécurité et de protection aux abords immédiats des structures. Tout cela a en partie été réglé. Le parc a donc pu rouvrir ses portes. Mais pour l'heure, seule la partie animation et jeux gonflables a rouvert. La partie aquatique, elle, reste fermée. Les sites olympiques se transforment pour accueillir les épreuves paralympiques qui se dérouleront dans quelques jours. Des sites qui doivent s'adapter, comme le site des Invalides, qui, lui, va accueillir les épreuves de tir à l'arc. Mélanie Faure était sur place. Il leur reste à peine plus d'une semaine pour que tout soit fin prêt. Les sites des Jeux de Paris se mettent à l'heure des Paralympiques. Aux Invalides, c'est ici que se tiendront les épreuves de tir à l'arc à compter du 28 août. Deux épreuves à 50 et 70 mètres. Et pour recevoir les parathlètes et le public dans les meilleures conditions, plusieurs aspects ont été retravaillés. La rampe, on s'assure qu'elle est bien adaptée. Et notamment au niveau de la sortie ici pour aller à la zone mixte, on s'est assuré que ce soit le plus plat possible pour que les fauteuils ils aient le moins d'efforts à faire. On s'assure aussi que de mettre bien de l'antidérapant partout sur nos rampes. À moins de 2 km des Invalides, le Grand Palais s'apprête à accueillir les épreuves de para-escrime et para-taekwondo. Et pour rendre le lieu parisien accessible, de grands travaux ont été entrepris. Donc, auparavant, le Grand Palais, c'était 2 ascenseurs uniquement pour desservir l'ensemble du site. À la fin du projet de rénovation, il y aura 40 ascenseurs qui seront fonctionnels. Des jeux accessibles avec un lot de places réservées aux personnes à mobilité réduite dans chaque site de compétition. Et pour les retardataires, il est déjà trop tard pour espérer trouver une place sous la célèbre verrière du Grand Palais. Il y a 80 places pour des personnes en fauteuil roulant pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on est parti de la jauge maximum. L'ensemble des places a été vendu. Le site est sold out, que ce soit pour l'escrime fauteuil ou le para-taekwondo. Donc on est très heureux de ça. Et pour les amateurs de taekwondo aux Olympiques, les Paralympiques apporteront aussi leur lot de nouveautés sur le tatami. Les règles étant légèrement adaptées. La pratique para va être essentiellement le règlement. Et pour l'épreuve paralympique, on est essentiellement sur le plastron. On n'a pas le droit de toucher au visage. Au total, Paris 2024 a mis en vente 280 000 billets pour personnes à mobilité réduite.
Avant de terminer ce journal, un point sur la météo de ce mercredi. Nous bénéficierons du regonflement de l'anticyclone. Les conditions météo seront bien agréables avec le plus souvent une belle alternance de passages nuageux et d'éclaircies. Côté température, elles continueront de baisser tout doucement. Le matin, elles se situeront entre 9 et 12 degrés. 9 degrés pour Nemours, 10 pour Melun, 11 pour Bobigny ou encore Cergy, 12 degrés pour Meaux. Quant à l'après-midi, les températures atteindront 23 degrés par endroit, notamment à Étampes, Versailles, à Meaux et jusqu'à 25 degrés à Nanterre. Nous passons donc en dessous des normales de saison, mais ça reste bien agréable. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.